Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à CubeSpray. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise en place de la haute disponibilité au niveau de Kubernetes, avec notamment le lien entre CubeSpray, HAProxy et KeepAlive.d. Donc, l'objectif, c'est quoi? Déjà, dans un premier temps, l'objectif, c'est de load balancer l'API serveur. Donc, l'API serveur, c'est quoi? Bah, c'est l'endroit où vous allez taper quand vous faites du kubectl, donc sur les masters. Donc que ce soit sur votre machine, une autre machine, peu importe, vous allez taper sur le port 6443 de chacun des masters pour faire du kubectl. Alors c'est pas tout à fait sur chacun des masters puisque vous allez le faire manuellement. Donc nous là l'objectif c'est de load balancer, de prendre en compte l'état de chacun des masters et puis en même temps de s'assurer que nos HA proxy sont bien fault tolerance, donc c'est-à-dire avoir de la HA dessus. Donc pour faire ça, c'est très simple. Première chose, on va s'intéresser à installer un cluster HA proxy avec KeepAlive.d. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir deux load balancers qui vont load balancer sur les masters et de faire en sorte que si on perd un des load balancers, on n'ait pas de souci. Donc pour ça, on va avoir une VIP qui va être partagée entre les deux HA proxy. Et deuxième étape, ce sera une deuxième vidéo, on verra comment on va prendre en compte ça dans CubeSpray et pour réaliser cette installation. Dans cette deuxième vidéo aussi, on procédera au test, on fera en sorte de perdre un master, de perdre un load balancer et de voir l'impact, normalement sans impact. Voilà un petit peu le schéma, donc ça c'est le schéma théorique. Nous on n'aura que deux masters hein, pour un souci d'économie de machine, mais le schéma théorique c'est ça, en gros avoir un nombre impair de masters, avoir devant deux HA proxy. Avoir une VIP qui est partagée entre les deux HA proxy et dès lors que l'on va perdre un HA proxy, bah, cette VIP va être balancée sur le deuxième HA proxy. Et idem, donc du coup ici, si on perd un des masters, bah, HA proxy prendra en compte la perte de ce master. Donc on va s'installer cela. Pour ça, donc j'utilise toujours Vagrant. Donc j'ai mes Vagrant files. Donc petite retouche par rapport aux Vagrant qu'on avait vu. Donc vous avez le lien dans la description avec tous les fichiers à prendre en compte. Donc ici on a donc deux masters. On a une machine de déploiement kdeploy cube. On a knode 01 aussi qui est une machine qui va nous permettre donc de jouer le rôle de worker et surtout nos deux HA proxy. Donc tout ça, ça édite le etc host. Derrière, on installe quelques éléments de base un peu rudimentaires. Et ensuite, donc on installe notre machine de déploiement sur laquelle on met que 512 MB de RAM. Nos deux masters, on met deux CPU et 2 Go de RAM. La même chose pour le node ici. Et nos deux HA proxy, eux, qui n'ont pas besoin de grand-chose. Donc un CPU, 512 MB de RAM. Et la même chose pour le HA proxy 02. Donc une fois qu'on a fait ça, j'ai fait un Vagrant up. Donc maintenant, je peux me connecter dessus. Vagrant. Donc on s'intéresse uniquement au HA proxy aujourd'hui. Donc HA proxy 01. Donc je suis dessus, je vais faire la même chose en dessous, Vagrant SSH HA proxy 02. Hop. Voilà. Et là donc on va dérouler notre petite procédure. Donc première chose, on va installer KeepAlive.d, HA proxy et PSMISC. Donc je suis sur du CentOS. Ça me permettre d'avoir le binaire kill all et de lui appliquer un kill all moins 0 sur HA proxy qui permet de checker assez simplement la présence du process HA proxy, ce qui va être utilisé par KeepAlive.d. Donc ici je fais mon install, la même chose ici. Voilà, ça nickel. Ensuite, ce que je vais faire un cat. Donc, j'ai mon fichier haproxy.cfg qui est là. Donc, je vais recopier tous ces éléments-là. Hop. On va les regarder. On va les regarder ensemble. Donc, ici, je vais faire un sudo vim slash etc. haproxy.cfg. Ici, je drop tout et je colle tout. Donc là, qu'est-ce que j'ai dedans? Donc tout ce qui est global et default, tu n'as rien de particulier. J'ai mis un listen qui permet du coup d'avoir accès aux statistiques de haproxy. Donc ça sera utile quand on fera nos tests. Et surtout la deuxième partie ici,
Donc il va faire en gros du pass-through au niveau de HAProxy, c'est-à-dire que HAProxy s'occupe pas du tout des certificats ou autres et ne fait que en mode TCP du coup et pas en mode HTTP de passer les paquets aux deux masters qui sont présents ici sur le port 6443. Voilà, on a du timeout plutôt assez long, ce qui permet d'éviter des petits soucis. Sinon, rien de très particulier. Donc, on va enregistrer. On va faire un sudo systemctl restart HAProxy. Voilà, et donc là, si je fais un status, alors si je fais un status, j'ai un problème. Le problème c'est quoi? C'est j'ai SE Linux sur CentOS qui est installé. Du coup, il ne peut pas binder les ports au-delà d'un certain nombre. Donc du coup, il faut qu'on désactive pour HAProxy accepter tous les ports, quoi, lui permettre de monter tous les ports. Bien sûr, en tant que root. Alors pendant que j'y suis, je vais le faire sur le deuxième en dessous, comme ça sera fait. Voilà. Donc, je vais recopier cette partie-là toujours. On va checker que en haut, donc tout se passe bien. Donc, on restart comme on l'a fait tout à l'heure. Et je fais un status. Là, j'ai bien mon HAProxy qui écoute. Donc, si je fais un netstat-ntop, j'ai bien. Donc, j'écoute bien sur le 6443 sur toutes les IP. Ici, je vais aller éditer aussi. Donc, sudo slash dc HAProxy HAProxy.cfg hop on supprime tout, on a la même chose exactement, donc sudo systemctl restart HAProxy voilà et donc si je fais status. Là, j'ai bien le HAProxy qui tourne. Donc maintenant, on va s'intéresser à KeepAlive.d. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à prendre? KeepAlive.d, donc on va éditer le fichier etc KeepAlive.d, KeepAlive.d.conf. Donc pareil, je vous ai mis tout, donc cat KeepAlive.d.conf. On va le regarder ensemble. Voilà, on copie ceci. Donc tout ça, vous l'avez déjà dans la playlist HAProxy, vous avez plus d'éléments aussi dedans. Donc sudo, donc on avait déjà une vidéo de comment installer HAProxy et KeepAlive.d, comme on est en train de le faire. Donc ici, je supprime tout ce qui est attenant à KeepAlive.d. Et là, j'ai un seul script, quoi, une seule conf KeepAlive.d. Où je définis un script de check que j'appelle reload HAProxy et ce script il fait quoi? Ben, il lance ici vous voyez le binaire kill all-0 HAProxy ce qui permet de checker donc toutes les secondes l'état du HAProxy si j'ai bien un process qui tourne HAProxy. À la fin ici vous voyez que le track script fait appel à reload HAProxy donc ce qui a été défini juste au-dessus. Et dedans, on définit, donc là on est sur le master, on est sur le 0.1, donc on considère que c'est le master, donc on lui met un poids, une priorité de 100, on dit que c'est le master. Là c'est l'intervalle de check. Donc le check, il se fait en mode VRRP, pardon, qui est donc le format utilisé par KeepAlive.d pour checker donc, sur une couche basse au niveau réseau, checker bah, la présence de, du HAProxy distant. Le Virtual Route ID, c'est ce qui est utilisé aux deux HAProxy. Donc, c'est un ID qui permet de se checker mutuellement au niveau du réseau. Donc, si vous avez d'autres load balancers, bah, vous faites quoi, le 101, le 102, etc. Là, nos deux load balancers, on va les mettre sur le 100. Il y a un secret et un pass. Bon, ça c'est pas forcément nécessaire, mais voilà. L'interface, on est sur du ETH1, nous. Et voyez que l'IP, la VIP que je veux load balancer, c'est celle-ci. Donc là, 192.168.7.130. Et donc ici, l'adresse de broadcast. Voilà, donc on va enregistrer ça. On va faire un sudo systemctl restart de keep live d. Hop, on va faire un status.
Pendant qu'on y est, on fait la même chose sur le deuxième ici. Ah, donc même principe. Sauf que là, on change juste une chose. Ici, on va mettre backup au lieu de master. Et la priorité, bon, on va le mettre du coup à 50. On enregistre, on fait la même chose, sudo systemctl restart keep alive d. Voilà. Et donc là, on est prêt à voir un peu ce qui se passe. Donc si je fais un IPA ici, j'ai bien, hop, donc sur le HAProxy 1, si je fais un IPA, donc j'ai bien l'IP de base plus la VIP en question. Si je fais la même chose ici, hop, alors est-ce que j'ai bien mon HAProxy qui tourne ici? Je ne sais plus si j'ai, si ouais, je l'ai, ouais, très bien. Si je fais un IPA, malgré que j'ai mon HAProxy qui tourne, vous voyez, comme elle a été attribuée, donc cette VIP à l'autre serveur, puisque sa priorité est plus importante, donc j'ai bien le 01 qui porte le service. On va fermer ceci. Si ici je fais un sudo systemctl stop HAProxy, donc je le stop, je fais un IPA, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus la VIP ici, nickel. Et si je fais ici un IPA, j'ai bien ma VIP qui est arrivée du coup sur le celui du dessous. Si je relance ici, hop, voilà. Normalement, ma VIP devrait revenir sur le 1 en haut. Voilà, elle est revenue et elle ne devrait plus être présente sur celui du bas du coup. Voilà, donc on a fait notre petit check de failover. Donc nickel, donc on verra dans la prochaine vidéo comment on va faire en sorte d'utiliser ça au niveau de notre nos masters. Vous allez voir que c'est très très simple. Et puis on fera nos tests de haute dispo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'oubliez pas le Tipeee et je vous dis à très bientôt sur XavKey.